Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour le cinquième épisode de ma toute nouvelle série sur Minecraft Survival Tutoriel. Donc c'est le Minecraft Pocket, mais bon, mes conseils s'appliquent aussi au Minecraft de l'ordinateur puisque c'est pratiquement le même, à part que le Pocket est moins complet. Donc depuis la dernière fois, vous voyez que j'ai bien avancé. J'ai un petit peu, comment dire, j'ai un petit peu rangé ma muraille, bon, qui n'est pas encore formée pour l'instant, mais j'ai un petit peu rangé. Donc vous voyez que j'ai mis des petites pancartes, donc avec écrit bloc, donc là c'est mes trucs où je rentre les blocs. Après là j'ai mis de la nourriture. Donc de l'architecture, je vous avais parlé que j'allais descendre au minage. Donc juste avant je vais juste placer les portes. Donc voilà j'ai fait une entrée, donc j'ai placé mes portes. Une là, voilà. Je vais planter aussi les arbres parce que j'ai récolter un petit peu des arbres, donc je vais les planter devant chez moi. Au moins, ben, quand ils repoussent, je pourrai récupérer le bois. Donc je vais pas les planter loin, je vais les planter par là. Voilà, planter, hop, hop, hop. Donc vous les plantez un petit peu n'importe où dans l'herbe. Voilà, vous les plantez par là. Au moins, quand ça va pousser, ben, j'aurai du bois à côté de chez moi. Donc je vous avais dit que je vous emmènerai dans les profondeurs. Donc chose dit, chose faite. Je vais juste prendre du bois pour me faire encore des échelles. Voilà. Donc j'ai des échelles. Je vais me prendre une pioche. Et en casque, j'ai quoi comme truc? Oui, je vais me faire encore des pioches. Des pioches en pierre, parce que les pioches en argent c'est un petit peu trop cher. Donc des pioches en pierre j'en ai 3 et je vais prendre, ouais, on va prendre des lampes. Voilà, donc c'est parti. Donc c'est la nuit, je vais juste passer la nuit puisque maintenant que j'ai créé un lit je peux passer les nuits, donc en dormant. Donc là j'ai fait un petit coffre, on va dire un petit peu secret, avec une trappe où dedans ben, je mets mes ressources un petit peu. Donc je mettrai mon diamant, mon argent, enfin mon fer, mon or, mes ressources un petit peu difficile à avoir, et je les mets à côté de mon lit. Donc là je vais dormir. Donc vous appuyez sur la tête de l'oreiller et il écrit leave bed, donc vous appuyez pas, c'est parce que là c'est pour quitter le lit. Donc vous appuyez sur la tête de l'oreiller, vous attendez ouais, 10 secondes, même pas. Et donc hop, on est le jour. Donc ma mine, je vais commencer à la creuser. Donc je vais la creuser là. Allez, je vais la creuser là. Donc on se met là et on creuse. C'est parti. Donc il faut compter les blocs. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Et donc au 15e bloc, vous creusez un trou et vous mettez une torche. Voilà. Et vous continuez et vous essayez de mettre un petit peu des échelles. Voilà. Donc c'est parti. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc le 15 il est là. Voilà, vous mettez une torche et pareil, on essaie de mettre un petit peu des échelles. Bon, c'est pas grave si vous ratez quelques blocs, c'est pas grave du tout même. On le mettra en remontant de toute façon. Et on refait 1, 2, 4. Ah bon, on tombe sur du fer. 5, 6, je vais juste le ramasser. Donc j'ai pas oublié, je suis à 6 toujours. On va reboucher. Hop, donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Encore du fer. On rebouche toujours.
Hop. Donc j'étais à 13, 14, 15. Donc le 15 est là. Donc ça, c'est de la pierre redstone. Donc c'est pour faire sur l'ordinateur des circuits électriques. Malheureusement, sur le Minecraft Pocket Edition, on peut la ramasser, mais ça ne nous sert à rien. Ça ne fait pas de bloc, ça procure rien, donc c'est pas la peine de la ramasser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et voilà. Ok, nickel. Donc là, je vais mettre une torche. Donc on est arrivé à la pierre la plus dure du jeu qui est incassable. Donc même avec des pioches en diamant, avec ce que vous voulez, elle est incassable. Donc à partir de là, à partir de ce niveau, il faut remonter de 6 blocs. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Et le dernier, on met 6 et 7. On la remonte de 7 blocs. Et donc arrivé à 7 blocs, vous creusez ça. Au passage, j'ai oublié de mettre des échelles en fait. J'ai complètement oublié. Donc voilà. Et donc là, arrivé à 7 blocs au-dessus de la pierre incassable, vous êtes à la bonne hauteur pour trouver du diamant, du fer et de l'or. Parce que ce sont dans les grandes profondeurs. Donc voilà. Donc là, on est à la bonne hauteur. J'ai juste creusé pas vraiment pour trouver du diamant. Enfin, si j'en trouverais là, ça serait vraiment spectaculaire. Mais c'est vraiment juste pour. Comment dire? C'est vraiment juste pour voilà, pour creuser, pour dire que je suis arrivé. Voilà. On va éclairer un petit peu. Donc voilà. Maintenant, ben, il ne manque plus qu'à monter avec les échelles et à mettre des échelles. Oh. Attendez, pas se mettre. Pas possible. Bon. Pas se mettre là apparemment. Pas pourquoi. Ah oui, je sais, j'ai compris. Faire esprit. Ah, sans faire esprit. Putain de merde. Bon, on la fera plus la prochaine fois, celle-là. Donc voilà, vous faites que appuyer en montant et normalement vous placez des échelles là où il n'y en a pas. Donc voilà, certains creuseront des escaliers, moi je trouve c'est beaucoup plus pratique des échelles.